For me, yes. I mean, she doesn't want to affect other players, and it's her decision. And I think she totally has a right to withdraw from this tournament. I mean, it's a way of herself speaking, like, defend her own opinion. So yeah, some people can, like Serena or the rest of the players, they understand her as well. Like sometimes it's difficult. So, but the way of doing things is different. So Osaka is certainly different from others. But somehow, I wouldn't say it's wrong. So. Si elle n'est pas capable de supporter ce genre de choses, je pense qu'ils font partie du métier et que tous les autres tenniswomen sont obligés d'accepter. Et à mon avis, ils vont pas tous encore faire The Press parce qu'ils en ont envie. Et ben c'est dommage. Elle gâche un talent et elle gâche ben là une victoire peut-être à une compétition, etc. Et apporter du spectacle aux supporters. Donc c'est dommage. Bah, je trouve ça dommage étant donné que c'est un grand chelem quand même et que c'est quand même important de le jouer. Surtout pour une numéro 2 mondiale, c'est important de jouer tous les tournois juste pour quelques questions, dommage. Après c'est son choix, je le respecte. Mais je pense que le désir des joueurs est important et qu'on doit quand même prendre en compte leur avis sur ce point. Et je pense qu'on est encore dans un cadre où les règles font tout et les joueurs doivent se soumettre. Donc là, en l'occurrence, ça choque lorsqu'une deuxième mondiale agit de la sorte. Mais je pense qu'elle a un peu droit à sa vie privée, tout simplement.